Bonjour, bonsoir avec toutes amis internautes, spécialement fidèles abonnés Chanel Jean-David Info. Si vous déjà abonné, merci. Si vous pouvez abonner, nous invitons à faire ça. Qu'on y a même invité famille ou amis abonnés, une façon pour capable aider Chanel là grandir. Alors, information nous porter pour une vidéo ça, c'est avis ancien sénateur Youri Latortue concernant nouvelle constitution que gouvernement Moïse Jout a prôné. Alors, il n'est pas un secret pour personne, eh bien, il y a une démarche qui a fait pour être capable de changer constitution 1987 amendée. Puis d'Haïti, déjà, nous sommes environ 23 constitutions. Et 23 constitutions, ça y est, en pile, mon estime que, eh bien, y a toujours gain en pile faille dans yo, ok? En pile faille qui empêchait pays d'Haïti prend chemin développement. En pile monde tout estimé que eh bien c'est parce que au pas jamais arrivé à appliquer constitution yo eh bien qui permettent pays à pas jamais développer pays à pas jamais avancer. Eh bien pour constitution 1987 amendée a il y a environ 30 ans. OK? Mais une constitution qui était faite depuis 30 ans eh bien qui était faite dans un contexte spécial après la dictature. Eh bien, il y a un pile bagay là-dedans qui pas cadré avec réalité journée aujourd'hui. Ça capable briver il y a un pile bagay qui mérite changer, mais il y a un pile bagay tout qui pas obligé mérite changer, qui juste besoin plus capable appliquer yo. J'en ai parlé de eh bien responsabilité trois pouvoir yo, gen pouvoir qu'il a pour faire exécuter la loi, gen pouvoir qu'il a pour faire la loi, gen pouvoir qu'il a tout pour eh bien pour faire respecter la loi. OK. Eh bien, Constitution 1987 amendée, normalement, il y a un pile bagarre là-dedans qui est capable de mériter changer. OK? Si on prend par exemple le fait que, après un président fin élu, pour lui mettre un premier ministre, eh bien, dans tête gouvernement, eh bien, faut premièrement, faut qu'il choisisse moun ka premier ministre, nan, personnage là. OK? Après ça, faut qu'il voie non, non, Parlement, la Chambre des députés avec le Sénat. Et chaque entité ça ou dans le Parlement, eh bien, gen pour organiser séance, puis capable analyser pièce Premier ministre là, qui c'est une partie technique. Et après ça, selon intime conviction, yo, selon Jean, eh bien, politique générale, moun yo choisi pour Premier ministre là, rivé sou yo, eh bien, puis capable voter, qui c'est un aspect politique. Eh bien, ça arrive que, eh bien, techniquement, toute pièce Premier ministre est correcte, mais politiquement, eh bien, il n'y a pas arrivé à voter. Parce que vote là, il est fait selon conviction, eh bien, parlementaire. Là. OK? Et en Haïti, nous estimons que processus pour mettre le Premier ministre, là, eh bien, c'est un processus qui, à la base, chargé corruption. Puisqu'il faut faire connaître que, pour un monde venir premier ministre, eh bien, il est obligé de bailler un pile cob dans le Parlement. Ministre cap intégré gouvernement, yo, puisque faut que nous yo là, dans l'Assemblée nationale là, puis ouais, qui moun cap ministre, qui moun cap ministre tel bagay. Eh bien, moun sa auto estime que yo bail un pile cob. Et à la base, c'est un pile fois, c'est même député yo, même sénateur yo, eh bien, qui vote moun sa yo. Ou bien qui mettait moun sa yo sous base zamitay, sous base kob ki bay. Là, c'est un bagay qui chargé corruption. Et les moun sa yo, comme c'est eux-mêmes qui parlent dans l'administration, hein, eh bien, yo mal administré. Eh bien, depuis là, eh bien, pays a parti sur une base pour parler pièce développement qui fait, eh bien, c'est une base corruption qui parle fait, eh bien, l'administration publique là. Eh bien, là, pile moun estime que si vous êtes capable de changer, eh bien, parti ça, côté que, eh bien, président est capable de mener campagne avec Premier ministre. Là, chaque candidat à la présidence, ou bien chaque parti politique, eh bien, tout déjà, il y a des gens qui déjà candidat pour poste Premier ministre. Là. En plus, on estime que, eh bien, ça, c'est une amélioration, puisque pas d'avoir une question de corruption, une question choix Premier ministre. Ça, en plus, on est d'accord avec. OK? Mais on a tout, il y a un pile d'autres changements que vous espérez faire dans constitution ou encore dans l'autre code de loi, ok. En pile monde pas d'accord. Par exemple, là aussi, mais que majorité ont petit monde qui gagne 16 ans, et bien capable de
possibilité aimé pour lui entrer dans activité sexuelle. Ou encore tout si on moun entre dans activité sexuelle avec un petit monde qui a 16 ans, eh bien ça n'est pas grave, n'est pas un problème, laisse ça ou pas commettre une infraction encore. Et là en pile monde pas d'accord. En pile monde pas d'accord et nous pas gain problème avec ça. Eh bien en pile monde by avio sur possibilité qui gagne pour faire changement dans la constitution. Bi ki gen pile moun ki d'accord, faut gen changement dans la constitution an, ou encore constitution capable de changer. Mais en pile nan moun sa estime que eh bien gouvernement actuel là li pa gen légitimité pour li changer constitution an. Ou bien si li change, l'a changé li en façon pour capable kembe pouvoir. Ou encore tout manquer aval l'autre parti politique yo, manquer gen un accord entre les différents éléments nan secteur politique là. Eh bien, pour capable changer la constitution. Eh bien, sénateur Youla Tortue, c'est un monde qui est un acteur politique qui est très influent dans le pays d'Haïti en tant que ancien sénateur et leader de parti politique. Eh bien, lui-même tout le gars a pu parler concernant changement de constitution, gouvernement actuel là, à Pounia, en tant que sénateur Youla Tortue. Non, l'aspect droit, la réforme, écoutez, le président a utilisé le 9 septembre de l'année dernière pour lancer Ahmed Bakoussi en Rafael. Jeudi, il voulait faire pour contrer la parole, il disait le peuple là. C'est le premier. Le peuple, c'est le président. Le peuple, eh bien, c'est l'ensemble de la société. Et ça fait midi, il faut avoir un accord global pour permettre une moyenne constitution. C'est à partir de là que nous pensons que Jean-Président parle là, il n'y a pas de constitution comme ça. C'est à partir d'un accord global. Il y a la présidente qui va parler de la transition, de la proposition, de la demande de ça. Et pour l'appui ça, il y a des gens qui vont parler avec quelques membres de l'opposition. Plus tard que matin, le sénateur Mouvement, le sénateur Mouvement, il a confirmé que le président de la République. Sénateur Mouvement, il a dit ça. Bon, on va attendre ça. Mais m'a dit deux bagages. Premièrement, la fin du mandat du président, c'est le 7 février 2020. Ce n'est pas moi-même qui dis non, c'est Palais à qui faire, c'est la Constitution qui dit. Palais a dit que moi-même, comme sénateur, qui est élu pour 6 ans, mais en 2016, madame d'a fini en 2022, il dit que madame finit en 2020, parce qu'avant de venir, madame de commencer depuis 2014. C'est eux qui évoquent madame. Donc c'est eux qui, avec théorie, c'est la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Électoral, oui, c'est 2016 à 2022. Il a dit que le temps constitutionnel, c'est 2014 à 2020. Donc je dis à président qui lui-même, eh bien, article 54 là, beaucoup plus clair toujours, qui dit que le mandat président a commencé à courir à partir de l'année 2021. Donc je dis à mandat à la fin de 2021. Donc puisque Palais a été d'accord, je dis à vous exercer le sénateur, bah ouais, que Palais a fait pas en arrière pour que vous-même y allez nous aider. Donc, dans ce sens-là, moi je pense que, parlant du 7 février du groupe, hein, nous sommes à la fin d'octobre, donc novembre, décembre, janvier, donc le président est soi-même. Vous avez des projets non, c'est une taille et une exécution, un crime d'État. D'ailleurs, moi je vois que le DCPJ vini, on froid, donc même quand on est avec, nous avons rendez-vous, le lendemain, je vais venir, et puis moi je vais venir. Donc c'est un crime d'État avalisé par la police. C'est mes preuves. Je dois dire, c'est une exécution puisque c'est 25 cartouches que vous avez. Deuxièmement, pas un crime que vous faites où la police, pas avant qu'elle ait dit ça va faire. Il n'y a pas même une enquête. Ce n'est pas une enquête. Maintenant, sénateur Latorti, puisque il y a une difficulté, le président lui-même est à fond dans la question du changement électoral et de la constitution. Et ensuite, il y a fond dans la question qui est mandat à la fin 2022. Maintenant, est-ce qu'il va jouer un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter 2021? Est-ce qu'il va jouer un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter la constitution donc, pour ne pas changer? Le mandat, le 13 janvier 2020, c'est le président qui a dit Mme Fini. Selon quelle théorie? Suivant théorie que le temps constitutionnel rime sur le temps électoral. Oui, mais il ignore ça pour eux-mêmes. Il ignore ça pour eux-mêmes. Écoutez, je dis au moins un minimum de sens. Si on te dit que c'est le temps constitutionnel là qui est prêt, ou pas que je dis à pas appliquer le coup. Donc, ce n'est pas même un rapport de force. Si le président pensait que c'était le temps électoral qui déprimait, il va faire ça. Et toutefois, on va pas choisir d'appliquer ça. Toutefois, on va pas choisir d'appliquer ça. Théorie, on va appliquer pour moi. Écoutez, le peuple, seul le peuple est souverain.
C'est le peuple. La souveraineté résidente. Le peuple a dominé. L'universalité, n'est-ce pas? Le peuple a dominé. Le peuple a dominé. Je vais parler de la constitution et... Non mais écoute, le président n'a jamais fait d'élection. Le président n'y va côté que n'y va pas diriger la campagne officielle. Le président n'y va côté que leadership lui, pour que le TK arrive avec un accord, n'est pas capable. Donc, à partir de ce moment, il ne reste qu'une seule voie. C'est la transition pour que nous puissions réaliser une dernière transition pour des élections, des procès en bonne et due forme, et également que nous traversions nos nouvelles économies par une nouvelle constitution. Pour nous féliciter avec votre Simon pour un secondaire pour l'équipe, etc. Sénateur Annie Fogan-Joseph, c'est un ancien prêtre que nous connaissons très bien. Qui était au niveau de la Tibonite, c'est un grand professeur de l'université, un homme de bonne culture. Que moi qui ouais, il a enseigné non seulement les classes terminales, mais à l'université. Donc à l'université, à la faculté de médecine, là où je suis enseigné, professeur de sociologie. Donc on regrette en pile que ça arrive, puisque voir ça est important pour notre Tibonite. Donc il a été victime de plus qu'à dire au Canada. Nous vous présenter les condoléances à toute famille. Nous vous dit paix en son âme. Cependant, nous croyons que voir ça était important pour l'Antibonite dans le Sénat, était important dans le département et l'Antibonite, justement, parmi elle. Puisque nous pensons que à plusieurs moments de la durée de servir comme exemple à des jeunes, soit dans les écoles, soit dans les universités, soit dans les mouvements des jeunes. Merci, sénateur. Merci à vous, Ivan.